Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rubrique La Voix des Titres de ce jeudi 15 février 2024 sur votre chaîne préférée Spilène Télévision. C'est le quotidien Le Challenge qui ouvre le bal de ce numéro. À la une, supposé plan d'assassinat des responsables de l'opposition au Bénin, le gouvernement réagit et démonte les démocrates. Dans un communiqué en date du 12 février 2024, signé de son secrétaire à la communication, Dr Guy Mitokwe, le parti Les Démocrates a alerté sur la sécurité de ses responsables au plus haut niveau. Selon le communiqué, il est revenu de manière persistante au parti Les Démocrates des informations faisant état de ce qu'un plan d'assassinat serait en cours d'orchestration et viserait son président Boni Yayi et certains responsables. Sur la question, le gouvernement de Patrice Talon n'a mâché ses mots pour répondre au parti Les Démocrates. La réponse est à lire à la page 3 de ce quotidien. Toujours avec le même quotidien, exercice interarmé et interministériel dénommé Métropolie. Le maire de Cotonou avait-il aimé les populations à l'abri de la panique? L'intégralité du communiqué est à lire à la page 2 de cette parution du quotidien Le Challenge. Information avec Le Challenge, Canet Noir dans la presse. La célèbre journaliste de l'ORTB, Annick Ballet, n'est plus. Les détails sont à lire à la page 4 de ce quotidien. Passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré pour lire à la une proposition par l'UPR d'une loi modificative et complétive du code électoral. Voilà qui oriente tout le monde vers la proposition du BR. Pourquoi choisir de perdre son droit de parrain en 2026 alors qu'il y a mieux à côté? La question que pose la rédaction de Béninois Libéré. Les détails sont à lire à la page 3 de ce quotidien. Toujours avec le même quotidien, page politique communiquée du parti LD relatif à la sécurité des responsables du dit parti, la FCBE montre la voie à suivre. Vous aurez également les détails dans les colonnes de ces parutions du quotidien Le Béninois Libéré d'Aboubacar Takou. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour ce numéro de votre rubrique La Route des Titres de ce jeudi 15 février 2024 sur votre chaîne préférée Spilène Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.